Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur un nouvel épisode de Starbound V5. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'avais le heal, voilà, je savais pas ce que j'avais comme arme. Hop. Donc, Glad Giraffe. Donc, chers amis, on est là pour récupérer de l'argent. Avec cet argent, on est là pour récupérer aussi du titane. Et faire en sorte qu'avec tout ça, nous puissions donc nous faire une armure. Donc déjà faire le réplicateur, qui est en fait la version améliorée de l'enclume. Qui couplé donc avec ce qu'on peut faire avec l'Atomic Furnace, permettra d'avoir de nouvelles armures et donc d'avancer encore une fois dans le jeu. Ah mince. Hop. Voilà, quelques lags hein, sur cette version quand même. Hein. Alors pour savoir, pour tout vous dire, chers amis, il y a eu une mise à jour de Starbound que je trouve pas correcte. Pas correcte du tout, il y a beaucoup plus de lags, beaucoup plus de baisse de framerate, alors que je peux tourner des gens en 4K sans problème sur PC. Hein. Non, là il y a des trucs qui sont pas normaux, je sais pas de quoi ça vient, mais il va falloir qu'ils améliorent l'optimisation, surtout que certains de mes admins aussi me disent qu'ils ont des problèmes à faire tourner le jeu. D'ailleurs, le serveur, c'est le bordel, hein, chers amis, hein, je vous raconte pas. Eux me disent que quand ils jouent sur le jeu, quand ils lancent le serveur et qu'ils se mettent dessus, ça fonctionne. Quand nous, on le fait de chez nous, quels que soient les admins, ça fait crash le serveur à la première connexion. Donc ouais, pour l'instant, j'ai des gros doutes sur... sur OMG Serve, à vrai dire, directement. Bon, ça commence à venir, hein. Ça hop parfait hop voilà ok restez là bas. C'est pas plus mal, restez là. Restez où vous êtes, c'est parfait. Merci. Alors, continuons un petit peu notre récolte. On a 3 diamants ici, j'allais dire 4. Je rappelle que les diamants sont quand même assez utiles, hein, entre le fait qu'ils puissent me mettre d'avoir des améliorations de vaisseau et les différentes possibilités de crafter des manipulateurs modules, enfin composantes là. C'est toujours extrêmement pratique, ça me permet d'avancer un peu plus vite. S'il y a une ressource que vous devez prendre, de toute façon, à chaque fois que vous envoyez, c'est les diamants. En tout cas, vous pouvez, à partir du moment où vous en avez un grand nombre, vous pouvez vous permettre de ne pas prendre les diamants seuls, entre guillemets, vous savez, ceux qui sont en solitaire. Pour ce qui est du reste, n'hésitez pas. Oula, hop. J'ai testé ces saloperies. Oh, il y avait une... Aïe, dégage. Ok, ok, parfait. On va laisser la faire. Il y a une challenge room. Ah merde, je pourrais pas creuser par là. Fais chier. Ok, on y va en douceur. Hein. Ça va se faire au fur et à mesure. Hop, il m'a touché, le salaud. Ah, putain. Bon. Challenge room. Ça donne quoi, celle-ci? C'est laquelle? C'est celle avec les cailloux. Pouah, on l'a déjà faite. Raté. Oh. C'est entièrement faux, ça, monsieur l'agent. On va se healer un petit coup. On va bouffer un steak, je pense. Voilà. Ok, la suite. Voilà. On rappelle que derrière, après, il faut remonter. Hop. Donc là encore, ça va. Les flammes, ça commence à être casse-couille.
Surtout après le saut comme ça. Hop. Voilà. Là, on va courir après. On peut même faire la boule nous-mêmes, vous avez vu. Alors, est-ce qu'ici on peut la voir? Alors, l'astuce. Vous faites, vous mettez droit, enfin vous mettez à genoux. Hop, un coup de boost. Un coup de boost. Un coup de boost. Vous, tout en gardant le genou posé à terre. Hop. Et vous arrivez à passer. Ici on trouve ceci, ceci, une hache. Une hache électrique. M'intéresse pas. Une hache de glace, pardon. M'intéresse pas. Les haches, ça a jamais été mon style dans n'importe quel genre de jeu. Soyons honnêtes. Alors, je peux même pas taper dans le sol avec. Hop, merci. Ah, il y a quelques diamants, on va les récupérer. Hop. Parce que malgré tout, chers amis, avec l'argent et le titane, il va falloir faire une armure derrière. Donc on va récupérer un maximum de choses. Et espérer que cela suffise. Hop. Il faudra qu'on pense aussi à augmenter la force de notre puissance. La force de puissance de notre amateur manipulateur, pardon, je vais y arriver. Hop. Excusez-moi, j'ai déjà 5 vidéos dans les pattes. Alors. Salut les mecs. Hop. Hop. C'est bête, hein. Tu continues à brûler derrière, c'est vraiment dommage, hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Hop, merci. Un petit peu d'argent par là. Fait du bien par où ça passe. Et je vous dirai pas par où ça passe. Ok, on continue à descendre, après tout on n'est pas là pour rigoler. Quoique, 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 quoique. Moi je m'amuse à jouer à ce jeu en tout cas. Je peux que vous le conseiller. Il a certes des défauts, mais je ne peux que vous le conseiller. Ah, ça me rappelle quelque chose ce biome. Et pas des bons souvenirs en l'occurrence. Ah, mais même l'endroit à la limite me rappelle quelque chose. D'accord. Ce sont ces putains de monstres qui en font pop d'autres en fait. Ouah, baisse de framerate. Ok. Dégage. Putain. C'est leur nombre qui fait chier en fait, la multiplication de ces monstres qui fait chier. Ok. Alors, si je peux éviter d'aller par là, ce serait cool. On va peut-être aller par là, on va récupérer ça. Parfait, on est à combien? Faudrait qu'on soit à 100 de chaque en fait. Donc là on en a 99, c'est pas mal. Là on en a, ah, on a un peu moins d'argent. Donc on continue. C'est pas grave. Hop. Quand on aura 100 de chaque, chers amis, on sera bon. Ça nous fera 50 en fait de minerais une fois qu'on les aura fait. Et ces 50 de minerais, en plus, ils nous donneront donc 50 de... Ah merde, j'avais pas vu. Putain. Ils sont partout. Pas possible. Hop les. Ah merde. Mais casse-toi. Je vais me venger sur celui-là. Bah alors. T'en donnes pas des petites saloperies toi?
Oh, ce biome. Ce biome est littéralement mortel. Alors, on a un petit peu plus de... Alors, ça, c'est du titanium, malheureusement. C'est pas ce qu'on cherchait, dommage. C'est pas grave, on va le garder. Hein. On va dire un diamant, ça, c'est marrant. Non, pourtant. Il y a de l'argent, du diamant. Oh, putain, il y a de la saloperie aussi. Alors. Bande de nains. Incroyable, vous avez pas quand même. Et oui, je peux vous toucher quand même, j'en ai rien à foutre. C'est OP comme sous-pouvoir entre guillemets. Comme capacité secondaire, on va dire. Ah, par contre, faut y arriver. Hop. C'est bon, j'ai tous eu. Génial. Hop. Là, on a une chier d'argent. C'est génial. On a même des diamants. En quantité assez respectable. On a même du charbon. On est donc à 80 d'argent. Allez. Hop. Juste pour savoir, on a combien de 18. Hop. Alors là, c'est du charbon avec du titane, si j'ai cru comprendre. C'est ça. On continue à descendre. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, non, rien d'intéressant. Là, on a du... Ah, on a de l'argent, ça c'est cool. Ah, même une belle quantité d'argent. Hop, parfait. Belle quantité de mud aussi. Un petit peu plus de charbon, toujours sympa. Ça permet de faire des torches hein, qu'on n'utilise pas d'ailleurs, hein, qu'on n'utilise pas du tout. Cette musique, on sent qu'il y a de l'action dans ce biome. Hein. Hop. Et là on arrive donc à la lave, donc on va devoir remonter, hop, comme ça. On verra bien ce qu'on a comme barre. Alors. Bonjour. J'aimerais que tu me chies des barres de titane, s'il te plaît. 65, ça c'est bon. Ici. 46, ça c'est peut-être moins bon. Ce qui fait un total de 53, on a ce qu'il faut. Parfait. Alors, on prend ça. Oh. Génial, merci. Donc, où elle est? Le réplicateur, il est là. On se le fait. On enlève donc la vieille fournace qui ne servait pas. Et on va pas avoir la place pour mettre le réplicateur, je crois. Hop. On va voir, hein, mais j'ai un doute. Réplicateur, le voilà. Voilà, on n'aurait pas eu la place, vous voyez. Hop. Parfait. Donc on peut trouver... On a enfin accès au drill, en fait. Que je n'utiliserai pas parce que je n'ai aucun intérêt dans ces objets. Je les trouve vraiment très mauvais, à vrai dire. Ok. Par contre, on a accès à une nouvelle armure. Faudra me faire penser aussi à vous montrer l'ancienne. Ah bah merde, je peux pas. Bah je peux pas parce que ça l'a pris. Désolé. Bon, de toute façon, elle est pas... C'est une version un peu moins belle, entre guillemets, de celle-ci. Hop. Stylé ou pas? D'ailleurs, vous savez quoi? Ça, on va le ranger. C'était quand même assez moche, hein, faut l'admettre. Ok. Donc, dans ce coffre, on va ranger tous nos minerais. Hop. Parfait. Nous avons donc une armure en durastyle, chers amis. Il me semble qu'avec le réplicateur, on a aussi des nouveautés à mettre quelque part. Non? Peut-être ici alors? Tout en bas? On a le grappin, oui, ça je sais. Ah, halogène pack, voilà ce qui m'intéresse. Crac. Et enfin le xénon pack qui nous prend. C'est pas grave. Et donc maintenant on a une meilleure capacité de lumière dans le dos, chers amis, je vous raconte pas la différence. Hein. On va peut-être se faire aussi un grappin, au moins un. On a juste ce qu'il faut, tombe bien.
Parce que bon, c'est extrêmement important d'en avoir un. C'est extrêmement pratique surtout. Hop. Grappling hook. Qu'on va mettre à la place de notre gant box. Hop. Gant box qu'on va ranger précieusement ici. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Donc, d'accord. Bring me 4 diamonds and it's yours. Ok. Je t'apporte tes diamants. On les a toujours sur nous d'ailleurs. Oui, parfait. Outpost. Alors. Alors. Ça me fait penser que. Bon, on ira le faire de toute façon ensuite, c'est pas grave. Hop. Voilà tes diamants. Merci pour le classe 2. Alors, la flora, mutuellement, elle est au-dessus. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Yo. Ouais, on va pouvoir aller faire la fête. Une fête avec des florans, ça me semble amusant. Non, non, c'est juste chiant. Beam to ship. Et nous y sommes. Parfait. Parfait, parfait. Donc on va voir Sail, chers amis. On va voir Sail, on lui dit, tiens. Salut Sail, est-ce que tu pourrais pas augmenter mon matériel manipulateur? Si, parfait. Oh, je te remercie. Est-ce que tu peux pas encore le réaugmenter, je crois? Non, il m'en manque un, dommage. Donc si je ramène 4 upgrade modules, je peux améliorer mon vaisseau. J'en avais déjà 10 sur moi. J'en ai utilisé 2, j'en avais 12, j'en ai utilisé 2 pour faire mon truc. Donc ça c'est fait. J'imagine que plus de personnes auront te demanderont ton aide si tu as un meilleur, un plus grand vaisseau. Et vous voyez, donc on a un sas supplémentaire, entre guillemets, on va appeler ça un sas. Et une zone de soute supplémentaire. Hop. Dans ce truc, on peut faire donc ceci, qu'il faudra qu'on fasse rapidement. Ceci, qui n'est pas lui en soi extrêmement intéressant, et les deux autres aussi, pareil. Mais avant tout, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on le fasse assez vite, chers amis. Parce que c'est extrêmement pratique, vous allez voir pourquoi. Donc, est-ce qu'on a de quoi se faire du durastil supplémentaire? Je ne crois pas. Forcément non. On n'a pas de quoi faire suffisamment d'or. C'est pas grave. Eh ben, on ira faire ça après la petite aventure avec les florans, je pense. On ira les farmer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, du coup? Pas grand chose d'autre à faire, bah écoutez, on peut peut-être retourner sur la planète et retourner chercher quelques minerais. Ça pourrait être pratique. De toute façon, on en a besoin, donc bon, jusque là, malheureusement, je peux pas faire autrement, chers amis. Ok, pensez à utiliser le grappin. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Merci. Ma bouffe, elle est là. Hop, et je vais prendre... quelques... voilà, hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Tu vas pas rester là jusqu'au bout quand même, non? Je te remercie. Putain de caillou! Aïe. Voilà pourquoi le grappin je l'aime pas. Il sert pas à faire ce qu'il est censé faire en fait. Ah, il y en avait un petit peu qu'on n'avait pas trop vu. C'est vraiment capital en fait de récupérer. Oh, il y a du diamant à chier partout là par contre. Bah, on récupère encore une fois hein. Hop. Ok. Parfait. On récupère ce diamant. Hop. Parfait. Tout se passe à merveille. Non, là, mais j'ai la flemme d'en récupérer, à vrai dire. Aïe. Ça va vraiment être d'une extrême nécessité de le récupérer. Hein. Vous vous rendez pas compte. Mais moi, je m'en rends compte, justement, actuellement. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, ne se rendront pas compte. Hop. Voilà. Je vais récupérer celui-là aussi. Je pense qu'il nous faudrait, c'est un petit peu d'argent, et en voilà. Ah non, c'était un... Il y a les deux, peut-être. Non. Un tout petit peu d'argent, mais pas ce qui nous intéresse.
Quoique, peut-être que là, il y en a. Il y en a un petit peu, effectivement. Hop, ah, il y en a encore un peu là, d'ailleurs. Ah bah, c'est génial. Endroit sympa. Ah, putain, il y a une sous mes pieds, j'y crois pas. Quand c'est pas en haut, c'est en bas. Quand c'est pas en bas, c'est au-dessus. Ok. On va essayer ce truc-là. Un petit peu d'argent supplémentaire, génial. Je vois qu'il y a un petit micro-donjon en dessous. Qu'est-ce qu'un micro-donjon? C'est simplement une espèce de petite infrastructure, en fait. Hein. Ce n'est même pas un micro-donjon, en fait. C'est juste une partie d'un autre donjon. D'accord. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans, alors? Hop. Wow, toujours ça de prix. Là, il y a un diamant. Il y a un coffre juste en face. C'est une de ces saloperies. Tire, bon Dieu. Hop, parfait. Qu'est-ce qu'on y trouve? Rocket Spear. Ça a l'air sympa, ça. C'est pas comme si certaines de mes armes commençaient à dater. Hop, alors Rocket Spear. Eh, ça me pousse, d'accord. Oh, intéressant. Intéressant. Je serais curieux d'avoir une armure qui me permette de résister aux dégâts de chute. Juste pour le plaisir de voir à quelle vitesse ça peut me propulser. Vous avez vu ça? Alors. Encore faut-il que j'ai de l'énergie suffisante pour me pousser, hein, bien sûr. Alors. Un petit peu plus d'argent par là, c'est parfait tout ça. On est à combien? Est-ce qu'on est à 50-50? Ah, presque. On y est presque alors. On ira aller chercher en bas, vous inquiétez pas. Mais d'abord, on regardera ce qu'il y a. Parce que vous savez que dans ce biome, il n'y a que des mauvaises surprises. Ok. Il n'y a rien. J'avais déjà dû faire le nettoyage juste avant. Ok. Putain, mais il est chiant en fait ces mobs. Yes, on les a eus. Il n'y a qu'une seule arme efficace contre eux, c'est celle-là. Hein. Le lance-roquette. Bon, on récupère ce petit diamant et je pense qu'on peut remonter. Hop. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire le fameux... Ah non, j'ai pas l'or. J'ai pas l'or, chers amis. Ah mince. À moins que si j'en ai récupéré un petit peu. On n'a pas trouvé des masses d'or. Hein. Non, je l'ai pas récupéré. Merde. J'en ai pas récupéré du tout. Est-ce qu'on craque? La question est la suivante. Est-ce que nous avons le droit de craquer, chers amis? Nous avons le devoir de craquer. Bon. Vous avez raison. On a le devoir de craquer. Hop. Hop. Allons à l'autre poste. Nous avons 7500 pixels. On peut peut-être craquer un petit peu de pixels dans de l'or. On va voir ça. Yo! Ça va les mecs? T'aurais pas de l'or à... Salaud, t'en as pas! Putain! Non! Bon, bah, faudra qu'on ait fermé de l'or. Je sais pas du tout où en trouver en grande quantité, à vrai dire. Donc, eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Pérouse. On va retrouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à revenir dans la prochaine. Normalement, on fera la petite partie, la petite fête des Floranes. Voilà, les amis, c'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens!